Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Très bien. Nous sommes maintenant au Brésil. Et je parle portugais du Brésil dès le premier pas. Alors aujourd'hui, on va tout simplement bien prononcer l'alphabet portugais, surtout du Brésil. Allons-y, on va découvrir ensemble le contenu de cette vidéo. Je vous propose alphabet portugais brésilien. L'objectif de cette vidéo est de savoir comment prononcer alphabet portugais brésilien. Alors, dans l'alphabet portugais, il y a 18 consonnes et seulement 5 voyelles. Pour les lettres K, Epsilon et W ou W, normalement, ce sont des lettres étrangères, interprétant par d'autres langues, surtout anglais. Pour portugais, il y a uniquement 18 consonnes et 5 voyelles. Par exemple, A, arvore, arvore, c'est-à-dire ar, b, bola, bola, veut dire tout simplement ballon, c, coração, coração, veut dire tout simplement cœur, d, dado. Dado veut dire tout simplement dé, c'est un jeu. Et enveloppé. Enveloppé veut dire enveloppe. Effet. Effet. Faca. Faca veut dire tout simplement couteau. Gay. Gay. Gâteau. Gâteau veut dire tout simplement le chat. Aga, comme ça. C'est pas H, non. Aga. Aga. Vous dites ça s'appelle harpa. Harpa. Harpe, tout simplement. Arvore. Bola. Coração. Coração. Dado. Enveloppé, enveloppé, faca, gâteau, arpa. On répète, arvore, bala, bola, coração, dado, enveloppé, faca, gâteau, arpa, arpa. On continue la suite de comment prononcer alphabet portugais brésilien. On a l'exemple de I. Isqueiro. Isqueiro. Vous dire tout simplement briquet. Isqueiro. Jota. Jota. L'exemple de Janil. 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 Bien, nul. Car c'est une lettre étrangère. Eili, comme l'exemple de livre, le livre. Emi, comme l'exemple de mesa, veut dire tout simplement table. Eni, comme l'exemple de narish. Nariz, nez, olho, olho, veut dire tout simplement œil, porta, pay, porta, porte, isqueiro, isqueiro, janela, fenêtre, janela, livre,
Mesa, nariz, olho e porta. On continue. N'oublie pas dans l'alphabet portugais les 18 consonnes, 5 voyelles et 3 lettres étrangères. Comment prononcer par exemple les autres lettres? Par exemple, K. Quadro. Quadro. Ehe. Religio. Religio veut dire tout simplement horloge. Et pour quadro, ça veut dire tout simplement ardoise. Et C. Sol. T. Téléphone. Ou. Universo. V. Téléphone et universo. Universo veut dire univers. Violão. Violão veut dire violon. W. C'est une lettre étrangère. Chiche. 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 Et Epsilon. Z. Veut dire zip. Zippé. Zippé. Voilà. On répète. Quadro. Religio. Sol. Telefone. Universo. Violão. W. X. Epsilon. Z. Zippé. Zippé. Ça veut dire tout simplement serré. Enfin, on a ces fameuses lettres étrangères. K, comme l'exemple de kilomètre. Ça s'écrit avec Q, hein. Kilométro. Kilomètre. Par exemple, Y. L'exemple on a. Yuri. W. Newton. Et C. Cyril. Comme l'exemple de cabeça. 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 Coração. Cabeça. Coração. Enderso. Etc. Etc. C'est facile. Ce sont des lettres, bien sûr, étrangères comme K, kilométro, Y, Yuri, et W, ou W, Newton. Voilà. C'est tout pour le moment. On vient de bien prononcer alphabet portugais brésilien. Voilà. On se verra pour la prochaine vidéo.